9h du matin. Je suis déjà crevée. J'ai manœuvré avec le XADV dans les cailloux. Et étant sur la pointe des pieds, bah, les manœuvres à l'arrêt, c'est vraiment pas ça. Bon, on va aller chercher quelqu'un. Bon, bah, premier roulage en montagne, c'est assez surprenant, mais le XADV, bah, il va pas trop mal. Le DCT, bon, sur le S3, c'est obligatoire, voir la boîte manuelle pour bien gérer les entrées en courbe et les sorties en courbe. Et pour un motard, au final, on se retrouve avec les pieds vachement en arrière. On a tendance naturellement à les placer en bout de platine, parce qu'en avant, honnêtement, sur des parties techniques, c'est pas du tout gérable. Sinon, avec les autres motards, eh bien, quand ça arrive en face, ça dit bonjour, hein, pas de soucis, jamais. Hein. On ne vous prend pas pour un scooter, ça c'est évident. Par contre, suffit que vous soyez dans le même sens, hein, vous le doublez, et ben, une fois sur deux, vous allez être pris en chasse, parce que, en fait, doublé par un scooter, ils n'aiment pas beaucoup. Hein. On va chercher quelqu'un ce matin. C'est pas un épisode duo, c'est pas vraiment un épisode pratique, c'est pas non plus un épisode bagagerie. Un coffre sous selle, c'est bien. Un top case, c'est bien aussi. Mais j'aime mon côté tatillon et connaître les différents points d'ancrage pour emmener la plus précieuse des cargaisons. Bon, bah au final, tout ça pour voir si on avait des points... Pour fixer de la bagagerie, ben heureusement qu'on a le top case d'origine, il y a un coffre sous la selle qui n'est pas négligeable. Il y a quelques points d'accroche, mais c'est pas fantastique non plus. Comme c'est tout caréné de partout, donc esthétiquement c'est sympa, mais c'est pas terrible pour accrocher de la bagagerie. Donc on va quand même demander à notre principal intéressé. Alors, t'es bien installé? Et t'as un peu mal aux fesses ou les qualités des suspensions? Je crois que t'en fous. Hein. En ville, le XADV fait le boulot grâce à sa bonne répartition des masses, se faufilant dans la circulation. Idéal sur le mode D, l'empattement et sa selle large, en revanche, sera pénalisant pour les petites tailles à l'arrêt. Et comme beaucoup de citadins roulent toute l'année et aussi en hiver, j'ai voulu tester l'éclairage de la machine de nuit. Et bien sur les lignes droites et sur les usages en ville, les feux sont suffisants. En revanche, dès que ça tourne ou dans le noir total, les feux additionnels, bah, ça devient obligatoire. Sinon, à part éclairer le bas-côté, les LED ne sont absolument pas efficaces. J'ai envie de mettre un oreiller sur le guidon du XADV et j'ai envie de dormir. C'est un peu la sensation qu'on a sur autoroute, tellement en fait on est confort au niveau du dos, au niveau des épaules, il y a vraiment rien à dire. Au niveau protection, eh bien les jambes sont totalement à l'abri, c'est vraiment top. Le casque avec la bulle en position haute là comme ça, eh bien pour 1m70 on est parfaitement protégé, le torse aussi. Le seul problème, c'est la forme de la bulle, hein, comme elle est un peu enfoncée au milieu, et bien les épaules et les bras, et bien c'est très exposé. Et comme le reste est très bien protégé, ça, on sent un vrai différentiel. Mais bon, dans l'ensemble, on est plutôt pas mal. Et sur autoroute, et ben voilà, j'ai juste envie de dormir.